Une petite lecture. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir debout. Je vous donne la citation. Genèse 45, verset 24. La deuxième partie du verset 24, où Joseph a dit à ses frères, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ne vous querellez pas en chemin. Aujourd'hui, nous voulons considérer les conflits familiaux et leur gestion. Marcher ensemble, c'est se quereller. C'est pourquoi les Morsi disent « Wat et Zindi, ya wat et Zabe. » Mais comment gérer nos différences? Comment gérer les problèmes qui surviennent à cause de la cohabitation? Parce que là où il y a cohabitation, il y a certainement des frottements. Et ce sont les frottements que nous appelons conflits. Parce que ça peut durer une minute, ça peut durer une heure, ça peut durer un jour, comme ça peut durer aussi plusieurs jours, voire plusieurs années. Et nous ne voulons pas que ces conflits-là, que ces frottements-là durent. Marcher ensemble, c'est se quereller. Joseph le savait, et les frères aussi le savaient. Se marier, c'est se quereller. Erasme a dit, il n'y a pas de paix, si injuste soit-elle, qui ne soit préférable à la plus juste des guerres. Il n'y a pas de paix, si injuste soit-elle, qui ne soit préférable à la plus juste des guerres. Même si la paix est injuste, même si la paix est minime, elle est préférable à la plus juste des guerres, où nous disons, nous avons raison. Et nous avons réduit l'autre au silence. C'est une guerre continue, parce que c'est un cessez-le-feu, le conflit demeure. Mais revenons d'abord au mariage. Quand on parle de mariage, de quoi parle-t-on? Le mariage, qui est le début de la famille, est qualifié d'alliance dans la parole de Dieu. Pour le monde, le mariage est un contrat qu'on peut rompre à tout moment. Mais pour le chrétien, il est une alliance, voire une déclaration théologique. Une alliance, voire une déclaration théologique. Dans Ézéchiel 16, verset 8, il est dit, « Je contracterai une alliance avec toi. » Cette alliance, dans le mariage, est une alliance qui s'étend à toute la famille. Dans cette alliance, il y a des promesses qui sont faites à tous les membres de la famille. Dans Genèse 12, 2, il est dit, « Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. » Donc, de génération en génération, nous pouvons être source de bénédiction. Plus tard, on en parlera. Il y a des familles qui sont de génération en génération une source de bénédiction. Mais il y a des familles aussi qui sont de génération en génération source de conflits, sinon de malédiction. Dieu a établi son alliance avec le couple d'Abraham et sa postérité. Et cette alliance est assortie de promesses pour toute la famille, pour tous. La famille s'enracine dans la famille trinitaire céleste. Il y a un processus dans cette alliance. D'abord, il y a l'alliance d'amour ou alliance de cœur entre deux personnes. Ensuite, vient l'alliance de sang. Quand les enfants viennent, il y a l'alliance de sang. Puis, il y a finalement une alliance spirituelle, parce que la même famille qui a commencé à deux, qui a grandi avec un, deux ou trois enfants, se retrouve dans l'Église et constitue une alliance spirituelle, l'Église, famille de Dieu. La famille, donc, est une sainte habitation de Dieu en esprit. La famille dans l'Ancien Testament s'appelle Baït. En hébreu, c'est Baït. Fonder une famille se dit Bana Baït, construire. Parce que Bana veut dire construire. Construire une famille. Dans la maison d'Israël, il y avait la tribu Shebet, charpente de la société. Par exemple, les 12 tribus d'Israël. Le clan Mishpaha,
qui est l'intermédiaire entre la tribu et la famille. Et puis il y a la Baït, donc maison du père, ou la Bet Ab, Ab qui veut dire père, la maison du père, ou la maison paternelle, et constitue le niveau de parenté fondamental. Dans Exode 25, verset 8, comme nous l'avons derrière, il est dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je voudrais que nous comprenions que la famille, selon la définition des réformateurs, surtout de Calvin, la famille est un sanctuaire. La famille est une petite église, la petite église, la ecclésia. C'est une petite église, c'est un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça veut dire que quand vous êtes d'accord à fonder une famille, c'est un sanctuaire, ça ne vous appartient plus. C'est le sanctuaire de Dieu où doit resplendir la puissance, la gloire et la magnificence de Dieu. Où le chicanin, eh bien, est là, présent tous les jours. La famille n'est pas faite pour notre plaisir. Pas seulement pour notre plaisir. Il y a une connotation beaucoup plus grande, une connotation beaucoup plus importante. La famille, c'est, comme le pasteur Manon l'a dit, eh bien, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre qui appartient à Dieu. Quel est le postulat normatif des familles aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a trois types de mariages. Il y a d'abord le mariage complémentaire. C'est le mariage traditionnel, où la relation est basée sur les différences entre les partenaires. Et ce que les Anglais appellent « one up, one down », c'est-à-dire qu'il y a un qui domine sur l'autre. Et l'autre est là simplement pour être femme de maison, préparer à manger, faire des enfants, et puis c'est tout. Son rôle s'arrête à ça. L'autre, le premier, il sort, il ramène tout à la maison, mais c'est un type de mariage traditionnel et aussi biblique qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ensuite, il y a le mariage symétrique, c'est-à-dire que la relation est équilibrée, basée sur l'égalité. Le pouvoir est distribué également entre les membres. On peut dire que c'est le type de mariage moderne où, eh bien, la relation est équilibrée, basée sur l'égalité, c'est-à-dire que on peut renverser les rôles au besoin. Si l'homme n'a pas les moyens et que la femme a les moyens, elle peut soutenir la famille. On n'est pas obligé d'être là, d'attendre que l'homme apporte obligatoirement. On peut renverser les rôles au besoin. Le pouvoir est distribué également entre les membres, c'est-à-dire que chaque membre joue son rôle et contribue à la construction de la famille. Et puis, il y a le type de mariage parallèle, ménage hybride entre le premier et le deux. Ce type de mariage est marqué par l'indépendance et la flexibilité. L'indépendance et la flexibilité. Maintenant, pour le conflit. Qu'est-ce que c'est que le conflit? Selon Ians Sanwidi, il existe plusieurs définitions du conflit. Au nombre de ces définitions, nous relevons notamment les suivantes. Divergence d'intérêts, situation de mésentente, confrontation entre deux parties, antagonisme, opposition de sentiments, d'opinions entre des personnes, entre deux personnes ou entre deux groupes. Pour l'essentiel, disons qu'un conflit existe entre deux personnes, deux individus, voire groupes, etc. Lorsqu'à un moment précis, il y a incompatibilité entre les buts, les actions ou les comportements de l'un envers l'autre. Quand il y a incompatibilité de comportement, voire même d'intérêt de gain, alors il naît un conflit. Au centre d'un conflit, il y a un enjeu identifié. Des acteurs, des protagonistes et des intérêts.
L'enjeu, c'est-à-dire l'objet du conflit, est différent des intérêts poursuivis par les acteurs autour de l'enjeu. Les acteurs ont une perception différente de l'objet du conflit. Ils poursuivent des intérêts différents ou divergents autour de l'enjeu. Mais on ne dira pas exactement, on ne fera pas voir exactement l'intérêt. Il y aura un conflit et chacun va jouer le jeu. Mais l'objet peut être caché, peut ne pas être nommé. Mais il est là et chacun sait ce qu'il cherche dans le conflit. L'harmonie, quand il y a conflit, alors il naît entre les deux une rupture de relations et de communication. L'harmonie sociale entre eux se trouve brisée. Il naît alors un désaccord, une contradiction, un blocage, un malaise. Chacun d'eux estime avoir raison et convaincu que c'est l'autre qui a tort. Les intérêts sont toujours divergents et variables selon les auteurs ou selon les acteurs. Typologie des conflits. Il y a à peu près deux types de conflits. Ce qu'on appelle les conflits de contenu ou de carte et les conflits de relations ou de territoire. Contenu et relation. Carte ou territoire. Ce sont ces deux types de conflits. Les conflits de relation ou de territoire portent sur la position de chacun par rapport à l'interaction. Et là, on peut distinguer le conflit de territoire, les conflits d'intérêt, de ponctuation, d'objectifs, etc. De toute façon, nous aurons l'occasion de les voir brièvement. Par exemple, les conflits de contenu. Ce sont les plus connus, mais pas toujours les plus graves. Il s'agit d'un désaccord d'opinion ou de carte. Par exemple, la discussion, la femme est l'égale de l'homme. Eh bien, le problème qu'on cherche à résoudre est de savoir, est la question fondamentale, qui a raison ou qui a tort. Quand on dit la femme est l'égale de l'homme, et que ça amène une discussion, finalement, personne ne sort gagnant. Tout le monde sort convaincu ou campé sur ses positions, parce que de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre l'équation. La femme est-elle l'égale de l'homme? C'est un problème. Si vous allez du côté des féministes, on vous dira la femme est supérieure même à l'homme. Si vous allez du côté marginaliste, ils diront de toute façon la femme a toujours été l'homme a toujours été supérieur à la femme. Donc, ce sont des débats interminables et on en sort sans résultat quelconque. Parce que c'est un conflit de contenu. Voici un autre exemple de conflit de contenu. La discussion porte sur un sujet d'importance nationale. Faut-il obliger les enfants à finir les mets dans leur assiette? Les uns diront oui, les autres diront non. Il faut laisser à l'enfant la liberté. S'il ne peut pas venir finir son assiette, il faut le laisser, il ne faut pas le forcer. Mais nous, les traditionnels, on dira, si tu ne peux pas manger tout, prends un peu. Mais c'est un conflit. Ça peut être source de conflit. L'un dira oui, l'autre dira non. Et souvent, les choses s'enveniment rapidement. On peut en venir aux mains sur des questions de ce genre, jusqu'à ce qu'on apporte l'information nécessaire et qu'on dise ce n'est pas la peine de vous battre, il faut peut-être éduquer l'enfant, il faut peut-être donner à l'enfant la portion nécessaire et à partir de là, tout le monde est satisfait. Les conflits de territoire. Eh bien, les conflits de territoire
Ce sont des accords, des désaccords. C'est la façon de mener concrètement des activités. Appelés petits conflits, ils peuvent empoisonner toute une vie. On peut se battre au sujet de ce que Calvin a appelé les adiaphora, c'est-à-dire les petites choses. Par exemple, quel type de dentifrice il faut acheter? Quel côté du restaurant il faut s'asseoir pour ceux qui vont au restaurant? Ou quel côté du lit il faut occuper? C'est la démarcation des territoires. Généralement, quand on arrive dans la maison, le papa a son fauteuil. Regarde à vous si vous vous asseyez sur ce fauteuil. C'est un conflit de territoire. On peut ne pas se battre parce que vraiment ce sont des petits conflits. Et cependant, ça fait toute la différence. Il y a des familles où le père a sa tasse de café et personne ne doit prendre cette tasse de café. Si un enfant s'amuse à prendre la tasse de café, ça crée un conflit. Pourtant, ce n'est pas si nécessaire que ça. Si ces conflits apparaissent dans un contexte général de paix et d'entente mutuelle, ils disparaissent facilement, soit par le changement de celui qui a été désigné comme fautif. Donc, ce sont des conflits qui apparaissent dans un temps de paix et d'entente. Autrement dit, ce n'est même plus un conflit. On passe au-delà pour voir d'autres choses. On range le tube, on n'en parle plus, ou bien on peut recadrer le plaignant qui finalement se dit que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Si vous avez votre tasse de café et que quelqu'un a pris que vous faites bagarre, madame veut vous dire quand même, toi aussi, pour une tasse de café. Et si vous êtes assez honnête, vous allez dire, oui, c'est vrai, ça ne vaut pas la peine. Il y a les conflits d'intérêts. Il est clair que deux personnes entreront en conflit s'ils briguent. Eh bien, le même poste, ou s'ils briguent, en tout cas s'ils cherchent le même objet, cherchent à atteindre le même objet. Et chacun veut le poste. Et ça va créer un conflit d'intérêt. Mais au niveau de la famille, ça peut ne pas être un poste. Mais ça peut être le contrôle même de la famille. Le contrôle de la famille. Ou le contrôle des finances. L'autorité. Qui va décider de quoi? Et à quel moment? Ça peut créer un problème ou un conflit dans la famille. Les gains de l'autre sont égaux aux pertes de l'un. Le conflit pourra également cesser par la négociation qui permettra aux compères de se contenter d'une demi-réussite ou d'un demi-échec. Le conflit pourra également cesser par la manipulation de l'un qui amènera l'autre à céder son pouvoir, à céder sa partie. Mais dans cette manipulation, on ne résout pas le problème, on le renvoie à plus tard. Parce que la femme qui a été manipulée, quand elle se rend compte qu'elle a été manipulée, elle aura sa façon et son temps pour se venger. Et croyez-moi, ça viendra. Mais le conflit, bien que simple, pourra perdurer une vie entière. Comme on le voit avec certaines familles, où passer les vacances, dans quelle école il faut envoyer les enfants, etc. Ça peut créer des conflits. Aujourd'hui, le mari décide, on va envoyer les enfants dans telle école, mais si demain la femme a les moyens, elle peut dire, je décide d'envoyer mes enfants. Ce ne sont plus nos enfants, mais mes enfants dans telle école. Elle prendra certainement sa revanche. Conflit de ponctuation, c'est-à-dire c'est le conflit le plus bête parce que c'est le conflit qui consiste à dire c'est pas moi qui ai commencé, c'est comme les enfants, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Et quand même on vient pour intervenir, non, il faut la voir, c'est elle qui a commencé, c'est pas moi.
C'est un conflit de ponctuation. Il suffit d'amener la personne à comprendre que le problème, ce n'est pas celui qui a commencé. Le problème, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et que chacun mette de l'eau dans son café. Il y a ensuite les conflits d'abstraction. Les conflits d'acception portent sur un décalage sémantique entre deux partenaires. L'un parle en termes général, c'est-à-dire carte, et l'autre parle en termes concrets, territoire. Ici, c'est une question, c'est ce qu'on appelle la relation transactionnelle. Il y a le père, en chacun de nous, il y a le père, il y a l'adulte, il y a l'enfant. Alors, si vous vous adressez à votre femme en tant qu'adulte et qu'elle ne se met pas au niveau adulte pour vous répondre, il y a un problème. Si elle se met au niveau enfant pour répondre au père, il y a un problème. Si vous vous adressez à votre femme dans la catégorie enfant, vous voulez plaisanter, et elle n'a pas compris, elle vous répond du haut de la chair, j'allais dire, en tant que parent ou en tant que père, il y a un conflit. Donc c'est le conflit de relations transactionnelles. Il faudrait que vous vous mettiez sur le même niveau. Si c'est de parent à parent, de père à père, on peut s'entendre. Si c'est d'adulte à adulte, on peut s'entendre. Si c'est d'enfant à enfant, on peut s'entendre. Mais dès qu'on change de catégorie, que l'un change de catégorie, eh bien, il y a mésentente. Parce qu'il y a généralisation et spécification. Il y a généralisation et l'autre parle en termes de concret. C'est pourquoi, par exemple, une femme qui dit un homme qui dit à sa femme, chérie, où est-ce que tu as mis mes chaussures? Généralement, c'est ce qu'on fait le dimanche matin. Où est-ce que tu as mis mes chaussures? Bon, et la femme qui répond, moi je ne suis pas ta bonne. Est-ce que je suis là pour être ta servante? Il y a un conflit. Alors que ce n'était pas nécessaire. L'autre a parlé de partie d'enfant. Et la femme a répondu en tant qu'adulte. Le raisonnement n'est pas le même. Mais là, on peut résoudre le conflit si on cherche à se comprendre. Dans ce conflit-là, eh bien, on conclut en disant, tu as tort d'avoir raison. Tu as tort d'avoir raison. Il fallait que moi j'aie raison. Donc, tu as tort d'avoir raison. C'est pourquoi ce type de conflit peut se prolonger en s'apparentant à un conflit de type ponctuation. Le conflit n'est pas fini. C'est au perdant de jouer le prochain coup. Conflit d'objectif. Le conflit d'objectif, l'un peut vouloir négocier pendant que l'autre veut la victoire absolue. L'un cherche l'approbation, l'autre le pouvoir. Tout se passe comme s'il n'allait pas au même endroit. La connaissance mutuelle des objectifs de l'autre aplanit facilement ce genre de conflit. Conflit sémantique. Il s'agit de deux partenaires partageant la même vision des rapports entre la carte et le territoire, entre les mots et les idées, d'une part, les choses qu'ils désignent, d'autre part. En fait, c'est un conflit, c'est un malentendu autour des mots qu'on emploie. On peut employer un mot et quelqu'un d'autre peut l'interpréter autrement. Et à partir de là, naît un conflit. Je me souviens qu'au village, il y a quelqu'un qui a dit à sa femme, c'est pas un mot méchant, mais c'est un mot en français.
l'homme a dit, foyer gentil. Et la femme a pris ça pour une insulte. Faut le gentil, même pas gentil, faut le gentil. C'est un conflit sémantique. Il faut simplement chercher à comprendre et le sens du mot et ça résout le problème. Quelles sont les causes? Il y a d'abord les causes, les principales causes de conflit dans la famille. Il y a les causes classiques et il y a les causes modernes. Mais en réalité, toutes les familles se ressemblent. Apparemment, quand vous venez à l'église, il n'y a pas de problème. Nous vous regardons et il n'y a pas de problème. Mais en réalité, à l'intérieur et en profondeur, c'est tout autre chose. En 2008, un article du journal L'Observateur déclarait « Autant de mariages, autant de divorces. Autant de mariages, autant de divorces. » Quelles sont les causes? Il y a d'abord l'intimité sexuelle. L'insatisfaction sexuelle devient source de cause. Je crois que le pasteur Manon s'est étendu là-dessus. En tout cas, la première cause vient de l'insatisfaction sexuelle. La deuxième cause, c'est la gestion financière et matérielle. Celui qui a l'argent contrôle, il a le pouvoir. Et ça crée un problème. Le manque de dialogue, de communication. J'ai connu une dame, et la femme me dit, quand mon mari, le matin, je lui demande, qu'est-ce que tu veux que je prépare? Il va dire, bon, tu fais... Et c'est comme ça. Il ne termine jamais sa phrase. Il faut imaginer, tu fais... Et puis toi aussi, tu fais. Il n'y a pas de communication. Pas de dialogue. On ne peut pas s'asseoir et parler des problèmes brûlants du foyer. Quand on veut parler, ça devient bagarre. Parce qu'il suffit qu'on place un mot et ça devient la bagarre. Non. Il y a l'ingérence de la belle famille. Vous n'êtes pas une photocopie de la famille de votre père, vous n'êtes pas une photocopie de la famille de votre mère. Vous êtes une identité particulière. C'est pourquoi la belle famille ne doit pas s'ingérer. Il y a l'infidélité qui est un problème. Il y a l'éducation des enfants. Comment gérer les enfants? Comment éduquer les enfants? Et Isaac et Rebecca ont été victimes des enfants. Chacun a pris un enfant à part et pour se venger sur l'autre. On n'a pas préparé l'avenir des enfants et effectivement plus tard les enfants ne se sont pas entendus. Même s'ils ne se sont pas affrontés sur le plan physique, eh bien ils se sont affrontés sur d'autres plans. Il y a la rentrée tardive, surtout des hommes. Il y a aussi le manque de pardon, mais on aura l'occasion d'aller parler. Les causes modernes, eh bien, vous les connaissez. C'est Facebook. C'est Internet. Quand l'homme vient et qu'il est assis, il est là, il ne vous regarde pas. Vous le regardez, il ne vous regarde pas. Vous parlez, il parle à sa machine. Ça, c'est une cause moderne des divisions dans la famille. Aimez votre machine, mais n'aimez pas votre machine plus que votre femme, pas plus que vos enfants. Parce que vous n'avez plus du temps pour votre femme, encore moins pour vos enfants. Et plus tard, ça crée un fossé entre vous et vos enfants. Le téléphone, eh bien, il y a des gens. Ah oui, il n'y a pas de réseau dans la maison. On va sortir pour aller chercher le réseau. C'est faux, ce n'est pas le réseau qui manque. C'est quelque chose que vous voulez. Les femmes, vous pouvez au moins m'applaudir. Quelles sont les réactions?
La réaction, je n'aurai pas le temps de m'étendre là-dessus. C'est les six paradigmes développés par Covey. C'est gagne-gagne. Dans un conflit en famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tout le monde gagne. Donc, se satisfaire et satisfaire les autres. Poursuite du bénéfice mutuel, coopération et non-compétition, écoute soutenue, communication efficace. Et puis il y a gagne-père. Cette personne est égocentrique et égoïste. Non seulement ces personnes veulent gagner, mais elles veulent que les autres perdent. Je gagne et tu perds. C'est la méthode du boxeur. Si je gagne, c'est que tu as perdu. Le match nul n'arrange personne. Il y a père-gagne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, surtout des femmes, qui investissent dans des hommes. Et quand ils sont devenus bien, ils ont dit, cette femme-là, eh bien, elle n'est plus à ma catégorie. On va sortir, chercher une autre femme qui correspond à sa catégorie. Pourtant, c'est la femme qui a fait de toi ce que tu es devenu, une catégorie. Donc, des femmes qui ont accepté perdre pour que leur mari gagne. En retour, eh bien, il faut tout faire pour qu'elle aussi, elle gagne. Et puis, il y a la méthode gagne. Les gens dans cette catégorie ne pensent qu'à gagner, même s'ils ne veulent pas que les autres perdent. C'est ce qu'on appelle le narcissisme. Le narcissisme. On veut gagner. On veut gagner. Que si les autres gagnent, ce n'est pas leur problème. Mais pourvu que moi, je gagne. Ils sont narcissiques, tournés vers eux-mêmes. Il n'y a que leur intérêt qui porte. Un jour, quand on était aux États-Unis, j'avais un camarade étudiant qui était narcissique. Quand il va se coiffer, il va venir me demander, « Hey, Eli, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas beau? La tête là, c'est pas... » Alors que la tête était bizarre. Mais j'étais obligé de dire que la tête là, elle était belle. C'est comme les bébés. Quand une femme vient te présenter son bébé, elle va dire, « Est-ce que c'est pas un beau bébé? Est-ce que tu peux dire le contraire ?» Tu vas simplement dire, « Oh, quel bébé !» Ensuite, il y a gagne-gagne où on tombe d'accord. C'est-à-dire que c'est la forme la plus élevée de gain. Les gens dans ce groupe visent le gagne-gagne, mais en cas d'impossibilité de solution, ils tombent d'accord sur leur désaccord. Ils tombent d'accord sur leur désaccord. Ils se séparent en bonne intelligence. On ne claque pas la porte, on se sépare en se disant, peut-être que demain, on reviendra et on va travailler. Comment gérer efficacement les crises familiales? Kant a dit que la paix absolue reste le secret du divin. La paix absolue reste le secret du divin. Donc, on ne peut pas vivre ensemble dans une paix absolue. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il y aura des mésententes. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour minimiser les tensions et nous permettre de répondre au Dieu qui nous a vraiment confié cette responsabilité. Comment arriver au minimum pour pouvoir continuer à adorer Dieu? Parce que si vous êtes en conflit, ça joue sur votre adoration, vos relations même avec Dieu. Ça joue. Qu'on l'accepte ou non, ça joue. Donc, en amont, il faut accepter la responsabilité pour son propre bonheur. Nous l'avons dit et nous répétons, le mariage ne rend pas heureux. Le mariage nous rend plus heureux, mais pas heureux.
Parce que le mariage ne fait qu'intensifier la situation dans laquelle il vous a trouvé. Si vous étiez heureux, vous serez plus heureux. Mais si vous étiez malheureux, le mariage vous rendra plus malheureux. Cela veut dire qu'avant d'entrer dans le mariage, il faut travailler à son propre salut, à sa stabilité psychologique, spirituelle et émotionnelle. Le ou la conjointe n'est pas un demi-dieu, ni une déesse qui, par un coup magique, va transformer radicalement la vie de l'autre. Le mariage est une valeur ajoutée aux bénédictions de Dieu. C'est une valeur ajoutée aux bénédictions de Dieu. L'exemple par excellence est l'apôtre Paul qui dit en un mot, qui dit qu'il vaut mieux ne pas toucher à une femme. Et aujourd'hui, on a des théologiens comme le Philippe Minou et autres qui sont restés célibataires parce que par vocation. Mais ils étaient heureux. Donc ce n'est pas le mariage qui rend heureux. La joie vient de Dieu. Faisons notre joie. Ayons un équilibre. Et le mariage viendra ajouter quelque chose à cet équilibre-là. Ensuite, il faut devenir l'étudiant de sa femme ou l'étudiant de son mari. Quand on dit qu'Adam connut sa femme, trois mots en allemand ont été utilisés. Il y a le mot wissen qui veut dire connaître scientifiquement sa femme. C'est connaître son environnement familial, son passé, en un mot, son génogramme. Ce qu'on appelait le génogramme. C'est des traits de comportement familiaux qui se transmettent de génération en génération. Vous connaissez les familles bagarreuses, vous connaissez des familles voleuses, vous connaissez des familles qui ne disent pas la vérité. Je ne vais pas dire menteuses, mais qui ne disent pas la vérité. Il y a des familles qui se glorifient, orgueilleuses. Il y a des traits de famille qui se transmettent de génération en génération. C'est ce qu'on appelle le génogramme. Il faut connaître tout ça. Et par exemple, la famille, la déception est présente dans la famille Nakor. Laban et Rachel étaient des exemples parfaits. Là, il y avait la tromperie. Et quand on vient d'une famille de tromperie et qu'on se marie à un enfant qui est habitué à la tromperie, comme Jacob, on ne peut que continuer la tromperie. C'est le génogramme. Et puis ensuite, il y a le mot Wistein, qui veut dire l'habilité à comprendre l'autre, à s'adapter à l'autre. Et le mot Kinelect, qui veut dire faire l'expérience de quelqu'un. En tout cas, nous ne sommes pas comme les Européens. C'est-à-dire que pour nous, le mariage est une histoire de famille. Donc, il faut connaître la famille. L'amour que vous avez maintenant, l'un pour l'autre, si vous n'êtes pas encore marié, ça ne s'appelle pas amour, ça s'appelle passion. L'amour réel viendra après. Quand vous aurez connu votre femme, quand votre femme vous aura connu, c'est à partir de là que vous allez faire avec les différences, non pas des différences excédentaires, mais complémentaires. Conjuguer ces différences-là en une richesse qui vous permettra de voyager sans vous quereller. Et ensuite, il y a la communication. Il faut faire de la communication une habitude. La ligne doit être laissée constamment ouverte. Elle favorise la transparence et crée une confiance à toute épreuve. En aval, il faut développer le pardon. D'après le Larousse illustré de 1993, pardonner, c'est renoncer à se venger, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Ce n'est pas toujours facile. Ainsi, des déclarations comme « Je te pardonne, mais c'est fini entre nous » ou bien « Je te pardonne, mais n'oublie jamais que je t'ai pardonné » et bien d'autres formes ne sont pas des attitudes de véritable pardon. Punir est humain,
pardonner est divin. Le pardon ne guérit pas le passé, mais il élargit l'avenir. Nous devons pardonner comme nous avons été pardonnés, comme Christ nous a pardonnés, Matthieu 6, 14 à 15, etc. Ainsi, nous voulons être sauvés. Si nous voulons être sauvés, nous devons apprendre à pardonner comme Christ nous a pardonnés, alors que nous étions errants, éloignés de nous, des pécheurs perdus. Mais aussi, pour vivre en harmonie, pour restaurer l'humain de la famille, tel que Dieu l'a institué, l'homme et la femme doivent apprendre à se pardonner mutuellement et continuellement. N'oublions jamais, le véritable pardon est difficile, très exigeant même, car il s'agit d'une décision volontaire. En définitive, seuls les forts, ceux qui ont atteint une certaine maturité, savent et peuvent pardonner réellement. Puis, il y a la foi en Dieu, la foi en l'autre, la foi en avenir commun. Construisons tout par la foi. Et puis finalement, il y a l'amour. Søren Kierkegaard a dit, aimer, c'est préférer un autre à soi-même. C'est reconnaître à l'autre sa valeur, lui permettre de se réaliser. En conclusion, les conflits ne sont pas mauvais. C'est plutôt leur gestion qui peut déboucher sur une catastrophe ou une maturation des principaux acteurs. Ils font partie du phénomène naturel de croissance par le biais du processus de continuité, rupture et dépassement. Continuité, rupture et dépassement. Je suis conscient dans cette salle qu'il y a des gens qui ont tout fait, mais qui ne sont pas encore arrivés. Et ça aboutit à des solutions que nous déplorons. Je suis conscient, je ne vous en veux pas. Et Dieu ne vous condamne pas. Mais nous parlons des autres qui sont encore en chemin et qui se disputent. Il est temps de faire la paix. Il est temps de vous entendre sur l'essentiel. Nous avons dit que le foyer, c'est une œuvre divine. Ça appartient à Dieu. Ça ne vous appartient pas. Et vous avez été mis ensemble pour une mission bien donnée. Il n'y a pas de famille sans crise. Comme dit l'adage, tous les toits abritent des problèmes. Ainsi, de nos jours, ce ne sont pas les familles du monde qui vivent sans loi ni foi, qui sont la proie de Satan. Au contraire, le diable connaît mieux que l'homme toute l'importance de la famille qui constitue chacune une brique de l'édifice de Dieu. C'est pourquoi il s'acharne et il veut détruire. Mais grâce soit rendue à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons être plus que vainqueurs. Amen. Nous pouvons être plus que vainqueurs. Que le faible dise, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Que celui qui connaît des problèmes dise, j'ai la solution de mes problèmes en Jésus-Christ. N'abandonnez jamais. Les Anglais disent, never give up. N'abandonnez jamais. Ne cédez jamais le terrain au diable. Alléluia. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de crise sans solution en Dieu. Et nous croyons en Dieu. Et il est présent. Et il est vivant. Et il est puissant. Ce qu'il dit arrive. Et ce qu'il ordonne se passe. C'est pourquoi je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier. Prier tous ensemble. Nous allons prendre la victoire. Nous allons proclamer la victoire. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous proclamons la victoire. La victoire de Jésus, la victoire de la croix, la victoire du Dieu trinitaire sur nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Et même ceux qui ont traversé des moments difficiles, ceux par exemple qui sont divorcés, ceux qui sont en séparation, ceux qui sont en conflit intérieur, le Seigneur, il vous voit, il vous connaît, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Rien n'est perdu pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu. C'est pourquoi nous voulons renouveler l'espoir et l'espérance en lui. Ensemble, élevons la voix. Alléluia.
We don't.